Et wesh l'équipe, c'est Darky. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, les gars, on va faire une vidéo. Aujourd'hui, les gars, on va faire une vidéo. En fait, on a des jeux. C'est tous les deux les mêmes. Hein. Voilà, c'est les mêmes. Sauf la couleur qui change. C'est la couleur qui change. Et en fait, on va faire. Pour mon frère, s'il gagne 10 cartes dans ce jeu. Je lui offre ses cadeaux qu'il veut. Donc, tu veux quoi comme cadeau? T'as droit à deux cadeaux. Mais des jeux de PSP. Des jeux de PSP. Il a dit des jeux de PSP. Donc, faut montrer ta PSP. C'est la PSP que je lui ai offert. Donc, déjà, une PSP comme ça, frère, ça coûte 300 balles, tu vois. Donc, ça, là, c'était déjà son premier cadeau de moi. Une PSP. Alors, dedans, il a 1, 2, 3, 4 jeux. Et en fait, y a des jeux qui marchent pas. Voilà. Donc je lui ai offert cette PSP. Et comme il a des jeux qui marchent pas, je vais lui en acheter au moins 5 ou 10. De toute façon, on va faire un vlog quand on va acheter tout ça. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est son premier cadeau. Et ton deuxième cadeau, tu veux quoi? Les livres de Pokémon. Mais non, ça, tu l'auras déjà par mois. Ça, c'est pas un cadeau. Tu veux quoi comme deuxième cadeau? Allez? Sais pas. Attendez, hein. Une tablette. T'as réfléchi. Tu veux Non, quoi? une tablette. Une tablette. Quoi? Une tablette. Ouais, je veux une tablette. Oui. Eh, pour ça, c'est pas 10 cartes gagnées, là, c'est 15, hein. T'es un malade, toi, une tablette, frère. Ça coûte combien une tablette? Ça coûte ton cul. Ah non, arrête. Arrête de faire comme ça déjà. Commence pas comme ça, On a Alès. pas fait Je t'ai une dit vidéo quoi? pour les œufs. Non mais arrête hein. Ouais, tu choisis lequel jeu? Le mauve. Putain, allez, je vais te foutre une tarte. Arrête de taper, je t'ai dit, tape pas, tape pas. Je me sens. Vas-y, vas-y, mais. Désolé les gars. Hein. Téléphone il glisse. Ça souffle comme ça. Donc en fait les gars, le but du jeu, c'est un jeu de mémoire. Regarde, on va prendre les cartes. Hop. Comme ça. Donc là, déjà, on va prendre le dé et les sabliers. Donc, on va lui laisser des secondes en plus parce que le sablier, il se vide vite. Donc, je vais lui laisser au moins 5 secondes en plus. Va mettre ça comme ça. On va prendre. Donc, en fait, le but du jeu, je vais lui prendre une carte, pas besoin. Il devra la mémoriser quand le chrono sera fini. Enfin, moi, je vais le laisser peut-être 5 secondes en plus. Quand le chrono sera fini, je vais lancer. Ici, il y a des questions numérotées. Il y a un seul dé. Deux. Je vais le poser. De quelle couleur est l'avion? Et lui, il doit s'en souvenir de la couleur de l'avion. Et il était rose. L'avion, il est rose, voilà. Donc Là, voilà, c'est les gars. En bien. fait, c'est ça le jeu. Donc ça, on va le mettre au milieu. Ça compte pas. Donc les cartes, bien sûr, ils sont à l'envers pour pas de triche. Les cartes sont à l'envers. Ok, donc on va mettre le paquet ici. On le met ici. Donc, c'est parti, on va piocher une première carte. Tu vas la mémoriser. 3, 2, 1. Mémorise-la. Attention, le chrono. Je vais lui laisser quelques secondes en plus. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on va lancer le dé. Il y a un 2 dans le dé. Il y a un 2. Question 2. La poupée a-t-elle des tresses? Regarde pas. Je vais faire montrer aux abonnés. Regarde pas. Voilà, la poupée. Est-ce qu'elle a des tresses? Oui. Non, elle en a pas. Elle a pas de tresses. Ça, c'est déjà mort, frère. Il a 5 chances. On va lui mettre 10 chances. 10 chances. T'as quel âge, toi? C'est même pas son âge, t'as Oui. 8 ans. Ouais, voilà, t'as 8 ans. Il a 8 ans, on va lui laisser 8 chances. Donc là, il t'en reste 7 chances. Donc là, il lui reste déjà 7 chances. Dernier, allez, deuxième carte. Attention, 3, 2, 1, c'est parti. Mémorise-la bien. Cinq.
J'ai même pas gardé le chrono, ça fait exprès, j'ai oublié. Alors, attention, c'est un 6. Donc, question 6. Peux-tu citer un mot de la carte qui commence par la lettre F? Regarde pas. Un mot de la carte qui commence par la lettre F. Ben, c'est tous. Facteur. Ouais. Putain, il est fort, là. Facteur, il a dit. Troisième carte, ouais. Donc, la voici. Donc, t'es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. C'est avec la lettre P. Il a choisi le jeu le plus facile. 1, 2, 3, 4, 5. Putain. Donc, un 6 encore une fois. Le voilà, le 6. Voilà, le 6. Encore une fois. Donc, 6. De quelle couleur est le foulard du pirate? Attends, regarde pas, je vais faire montrer aux abonnés. Regarde pas, je t'ai dit. Tourne-toi. De quelle couleur est le foulard du pirate? Bleu. T'as dit bleu? Il est rouge. Mmh. Il est rouge. Ah là là, t'as pas de chance. Il te reste 6 chances. Fais gaffe, hein. Il t'en faut 10 pour réussir. Hein. Là, t'en as que 1. Vite, Alice, vite. C'est quoi, je vais te laisser 8 secondes avec ton âge. Donc, voici sa carte avec la lettre M. Allez, 3, 2, 1, let's go. Il me reste... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Voilà, c'est la carte, les gars. Ok. Cinq. Quelle partie du corps as-tu vue? La partie du corps. Un truc dans le corps. Elles ont le bras, mais là, il n'y a pas de bras. Regarde pas, je vais faire montrer aux abonnés. Moi, c'est la partie du corps. Mais il n'y en a pas. Mais si, il y en a une. Mmh. Regardez les abonnés. Voilà la partie du corps. Donc là, la partie du corps. Vous inquiétez pas, ça à l'envers. La partie du corps. Quelle partie du corps as-tu vu? T'as qu'une chance. Les doigts? Ça va, c'est les doigts. Les gars, c'est une main, mais c'est rien. On va le compter, c'est les doigts, les gars. On va le compter, c'est les doigts. Donc là, on va reprendre un autre avec le E. 3, 2, 1, let's go. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. C'est fini. On va passer la carte, les gars. Faire tourner le dé. Le 1. Donc, quel animal as-tu vu? Facile. Un renard? Ouais, un renard. Il y avait renard et cheval. Regardez, il a raison. Un renard. Et ben, un renard et un cheval. Donc là, t'as combien? T'as 3 cartes sur 10. Il lui en manque 7. Il a raté 2. Donc il lui reste 6 chances. Il en a gagné 3. T'as, j'ai peur là. Donc là, avec X et Y. Il va être dur lui. Voilà. Donc attends. Ça, c'est un lynx. Et ça, c'est un cygne, ok? Là, c'est un lynx. Là, un cygne. 3, 2, 1. C'est la carte. Tu mémorises pas? Mmh. Hey, depuis tout à l'heure, le chrono il a commencé. Le gars il mémorise même pas. Regardez, il est con lui. Mais le mec, frère, t'as fait. Allez, go. Signe, lynx. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh merde, j'ai passé les 8. Donc là, un 6 encore.
Peux-tu citer un mot de la carte qui commence par la lettre Y? T'as été... Signe. Un signe. Ouais. Il y a la lettre Y dans ce mot. Et la 4. T'as retenu le signe, toi. Avec les L. Donc là, c'est un loup. Un loup, ok? Là, c'est des perles. Lessive et une plume. Donc 3, 2, 1, let's go. Il manque la carte. Ok? Lessive et perles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu fais quoi là? Rien. Arrête. on fait la sécurité. Il a un 2. Regardez. Un 2. Alors, de quelle couleur est la plume? Blanc et noir? Bah ouais, gros. Elle est blanche et noire. Donc là, t'as combien de cartes? 1. Il en a 5. 3, 4, 5. 4. 5! Arrête de faire une gueule, regarde! Je t'ai dit quoi au début? Arrête! Arrête! Bon, les cartes suivantes, encore avec les L. Ça, c'est un lion et un lapin. Et là, c'est du lait. 3, 2, 1, on go. Arrête de faire le con, hein. Aïe, 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 t'as 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Allez hop. 2. De quelle couleur sont les livres? Regarde pas. Regarde pas, retourne-toi. De quelle couleur sont les livres? Il y a 3 couleurs. Vert? Ouais, vert. Bleu? Ouais. Rose? Oh là là, comment il a deviné? C'est surtout les couleurs qu'il retient, lui. Il retient tout le temps les couleurs, lui. Lui, c'est surtout les couleurs qu'il retient. Donc, voici la carte suivante avec les H. 3, 2, 1, let's go, mémorisez la carte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, quatre. Combien as-tu vu de chapeaux? Un. Un chapeau? Tu es bien sûr? C'est bien un chapeau. Il y a bien un chapeau. Voilà. Il y a bien un chapeau. Donc là, on va lancer deux en premier. Donc, même c'est si un en 6. Vrai, il y en a deux. Ici, un 6, non, il y en a un. Oh, il y en a deux des chapeaux, j'ai pas vu. Oh, ça va, mon frère, c'est pas un tricheur. J'ai pas vu le chapeau au-dessus, là. Bon, ben. Il te reste 5 chances. Et t'as combien de cartes? Compte. Compte vite, hein, on a pas le temps. 2. Bon, là, il a 6 pour sa première 4, carte. 5, 6. 6, ok. Donc là, avec les G. Non, avec les E, accent. Ok. 3, 2, 1, go. T'as l'air la sixième question. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je vais éternuer. Oh putain, ça veut pas. Sixième. As-tu vu des fleurs dans la forêt? Oui. T'as vu des fleurs? Ouais. Regardez, il y a bien des fleurs dans la forêt ici. Il y a bien des fleurs ici. Donc là, il gagne. Là, il a 7. Il lui manque 3 cartes et il a fini. Y'a gros, hein. Il faut qu'il perde là. Avec les lettres G,
On va faire déjà tourner le dé. 3, 2, 1, let's go. Il a 6. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ok, donc, on va lancer. Ben non, il a déjà 6, on a déjà lancé le dé. De quelle couleur est le toit de la gare? Rouge. Il a bien raison. Le toit de la gare, il est rouge. Ici. Voilà. Il a 8. Je sens qu'il va avoir ses jeux PSP, sa tablette. Les jeux PSP, il les aura demain. Et sa tablette, ben, je crois aussi qu'il les aura demain. Il m'en manque 2. Il lui en manque 2. Aïe, aïe, aïe. Ouais, 3, 2, 1, let's go. On bat les couilles. C'est un E. Attendez, on recommence. Hop, allez, go. On aurait plus d'argent. On n'aurait même plus d'argent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fini. Je ne pars pas. Je suis pas déjà lancé le dé. 2. Que fait la chèvre? Il mange. Oui, elle a raison. Elle mange. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ben là, voilà, bref, elle mange du truc, je sais pas, de la paille, de l'herbe. Pas de l'herbe, tu vois. On a déjà deux, donc là, il a déjà un 6. Go. On va le laisser 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et t'as combien de cartes là? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a 9 cartes, il lui manque une carte et il a gagné. Ok les gars, donc là, 6ème question, c'est peux-tu citer un mot de la carte qui commence par la lettre E? Épée. Punaise! Épée, il a trouvé! Aïe aïe aïe! Il aura ses cadeaux, il aura ses cadeaux. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est moi le gagnant. Les gars, il a gagné. Il a tellement de la chance. 2. Allez, passons-moi les cartes. 4, 5, il a bien du cartes à côté devant vous pour qu'il n'y a pas de triche. Il n'y avait vraiment pas de triche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il a 10 cartes. Et il en a raté 3. Voilà. Ils sont mes cadeaux. Demain, je serai obligée de lui acheter les cadeaux. Par contre, la tablette, je sais pas demain. On va voir demain pour la tablette. Ou peut-être que tu auras un PC. Ouais. S'il n'y a pas de tablette, on t'achètera un PC. Hein. C'est rien. Un petit PC portable. Un PC portable, tu sais, là. S'il n'y a pas de tablette, on lui achète un PC. Bon, bref, de toute façon, demain, vous allez voir le vlog. Demain ou après-demain, de toute façon, on va voir tout ça demain ou après-demain. On va tout de suite voir, parce que demain, je vais recevoir mon argent de poche. Je vais recevoir 50 euros, mais j'ai encore économisé de l'autre argent. Donc là, je crois que je suis à... avec l'argent YouTube et tout, tu vois. Donc là, je crois que je pourrais être à 300 euros, un truc comme ça, là. Là, je crois que je suis déjà à 300, 400 euros, frère. Et là, le mec, il a cassé tout. Là, frère, je vais retourner à je ne sais pas combien. Regarde, regarde. Regarde qu'est-ce qu'il fait. Donc, mettez un gros pouce bleu. Mettez un gros pouce bleu s'il mérite son cadeau. Moi, je sais pas. Hein, je le crois pas. Hein, je crois pas que je mérite ton cadeau. Hein. Moi, oui. Si t'as un bon bulletin, si t'as pas un bon bulletin, je te retire pour toujours. Ok? Non, mais allez, allez, arrête. Si t'as un bon bulletin, je te la laisse, tu vois. Si t'as un bon bulletin, je te rachète des jeux de PSP. Donc, le voilà, les gars. Il va avoir ses jeux demain. Vous savez quoi? Si sur cette vidéo, il y a 5 pouces bleus,
S'il y a 5 pouces bleus, les gars, demain, je vais lui acheter ses jeux PSP. Et s'il y a 10 pouces bleus, bah, c'est demain que je vais lui acheter sa tablette. Parce que sa tablette, je sais pas si je vais l'acheter demain. Mais s'il y a 10 pouces bleus sur cette vidéo, je vais lui acheter sa tablette demain. Et s'il a 5 pouces bleus sur cette vidéo, je vais lui acheter la PSP. Les jeux de la PSP demain. Donc voilà, mon frère. Attends. Là, tu vois, j'avais déjà économisé 400 euros, frère. Et il vient tout me casser. 300-400 euros. Désolé pour le téléphone, franchement. Parce qu'il glisse, parce qu'on tape tout. Donc voilà, les gars. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Abonnez-vous pour qu'on a les 510 abonnés. Sinon, moi, je vous dis ciao. Peace. Bye bye.